les internautes, bonjour et merci de votre fidélité dans votre site tolobelavie.com. Et surtout un grand merci Nabino Oyubosa pour s'abonner. Tolobaki, il faut beau s'abonner parce que il est temps. Tango Koki Oyusengi, moi la Congo Nyoso, a fixé regard naye na mboka. Alors merci naba partenaire Nabiso Nyoso, merci na Washington les grands pays. Merci na Alvaro Mwanza, merci na Papi les Rock Arts illimité Formula Souka. Et un grand merci Napoléon Kwanzambi, Arsène Botango, na Suisse-Irlande, merci. Tolo Belavi, Itozawana pour vous servir. Parce que souci na biso ya liboso ezali vous informer. Kolo kilamino m'information boye, eza souci o ya biso ya liboso. Information ezali. Joseph Kabila na Angola te proposer bino boyoka intervention na ye. Et puis boyoka réaction bomona, ça dit bota la réaction il y a Jean Lorenzo. Avant tous les cas parce que ma kambeza moi ebele to sur la lelo. Je vous propose déjà à suivre intervention il y a Joseph Kabila na Angola et puis bomona réaction il y a Lorenzo na Souka. Pour tous ces efforts. Et puis ensuite, je vous invite déjà à faire l'usage de la parole. Son Excellence, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. Tout d'abord pour l'invitation à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. Merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez réservé ici à Luanda. À moi-même et aux membres de la délégation. J'aimerais bien confirmer effectivement, Monsieur le Président, que les relations entre la République démocratique du Congo sont au bon fixe. On a de très bonnes relations, mais que la visite ici a comme but, comme objectif, de renforcer ces relations. Renforcer ces relations, que ce soit en ce qui concerne la coopération commerciale entre nos deux pays, relations en ce qui concerne aussi les infrastructures entre nos deux pays. Et ici, je vois bien le port de Lobito et le chemin de fer de Lobito jusque chez nous, à Dilolo et au-delà de Dilolo, bien sûr, jusqu'à Kolwezi. Et bien entendu, les relations de bon voisinage d'une façon générale. Pendant nos discussions, M. le Président, on a effectivement insisté sur les deux ou trois points que vous venez d'évoquer vous-même. Tout d'abord la sécurité le long de notre frontière, sécurité et coopération, mais aussi comment faire pour que nos relations ne soient pas seulement au niveau de nos populations le long des frontières, mais aller au-delà et construire de grands projets, de très grands projets dans le domaine des infrastructures. Et je crois bien que nous sommes mis d'accord sur les deux ou trois projets clés. Et bien entendu, il y a aussi cette invitation venant de vous-même pour que nous puissions visiter le terminal minier à Lobito au courant de cette année ou avant la fin de cette année. Une invitation que j'ai acceptée. Tout ça, Monsieur le Président, pour me résumer, montre ou démontre à suffisance que on a de très bonnes relations, mais qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Il y a encore un long chemin pour que nous puissions continuer à renforcer ces relations pour le bien de nos populations. Oui.
En premier lugar, gostaria de agradecer a Sua Excelência, Sr. Presidente João Lourenço, pelo convite que me endereçou e também pelo tratamento que estamos a ser objeto durante a nossa chegada aqui em Luanda, tanto a mim como à minha delegação. Efetivamente, gostaria de confirmar tudo quanto Vossa Excelência disse sobre tudo naquilo que tem a ver com as relações, as boas relações de cooperação que existem entre a República de Angola e a República Democrática do Congo. É verdade também que Vossa Excelência disse muito bem que as relações de cooperação que nós temos não deverão de facto se resumir àquilo que existe já, mas temos que ampliar essas relações de cooperação em vários outros domínios, tal como no domínio do comércio, no domínio da infraestrutura, no domínio diversos que poderão ajudar a incrementar a cooperação já existente, sobretudo aquilo que é feito a nível das nossas populações fronteiriças. Queria aqui realçar que você... En ce qui concerne la coopération commerciale entre nos deux pays, relation en ce qui concerne aussi les infrastructures entre nos deux pays, et ici je vois bien et le port de Lobito et le chemin de fer de Lobito jusque chez nous à Dilolo et au-delà de Dilolo bien sûr jusqu'à Kolwezi, et bien entendu les relations de bon voisinage d'une façon générale. Pendant nos discussions, Monsieur le Président, on a effectivement insisté sur les deux ou trois points que vous venez d'évoquer vous-même. Tout d'abord la sécurité le long de notre frontière, sécurité et coopération, mais aussi comment faire pour que nos relations ne soient pas seulement au niveau de nos populations le long des frontières, mais aller au-delà et construire de grands projets, de très grands projets dans le domaine des infrastructures. Et je crois bien que nous sommes mis d'accord sur les deux ou trois projets clés. Et bien entendu, il y a aussi cette invitation venant de vous-même pour que nous puissions visiter le terminal minier à Lobito au courant de cette année ou avant la fin de cette année, une invitation que j'ai acceptée. Tout ça, Monsieur le Président, pour me résumer, montre ou démontre à suffisance que on a de très bonnes relations, mais qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Il y a encore un long chemin pour que nous puissions continuer à renforcer ces relations pour le bien de nos populations. Oui. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sua Excelência, Sr. Presidente João Lourenço, pelo convite que me endereçou e também pelo tratamento que estamos a ser objeto durante a nossa chegada aqui em Luanda, tanto a mim como à minha delegação. Efetivamente, gostaria de confirmar tudo quanto Vossa Excelência disse sobre tudo naquilo que tem a ver com as relações, as boas relações de cooperação que existem entre a República de Angola e a República Democrática do Congo. É verdade também que Vossa Excelência disse muito bem que as relações de cooperação que nós temos não deverão de facto se resumir àquilo que existe já, mas temos que ampliar essas relações de cooperação em vários outros domínios, tal como no domínio do comércio, no domínio da infraestrutura, no domínio diversos que poderão ajudar a incrementar a cooperação já existente, sobretudo aquilo que é feito a nível das nossas populações fronteiriças. Queria aqui realçar que Vossa Excelência
Edith muito bem, é que devemos também incrementar e aproveitar essa abertura para que pudéssemos aproveitar, sobretudo, o caminho de ferro de Benguela, o caminho de ferro de Benguela que vai até Dilolo e também Colueze. De facto, poderia nos ajudar para que pudéssemos aproveitar das potencialidades que existem, que nos oferece esse caminho de ferro até o porto de Lobito. E os três assuntos, dois ou três assuntos que nós, de facto, retemos nas nossas conversas, poderão, de facto, ajudar-nos a implementar cada vez mais a nossa cooperação. E, sobretudo, também tratarmos da questão da segurança a nível da fronteira comum e também podermos criar setores chaves para alavancar, de facto, a cooperação. Gostaria de dizer a Vossa Excelência que estou plenamente de acordo que as boas relações de vizinhança que existem entre a República de Angola e a República Democrática do Congo devem, de facto, alinhar neste sentido para que pudéssemos encontrar mais resultados favoráveis que poderá ajudar a poder alavancar a cooperação, não somente, mas também a poder beneficiar ainda mais as nossas duas populações. Voilà, c'était ça ma conclusion. Merci, Monsieur le Président. Ok, merci. Pronto, muito obrigado. Et nos palacios. Voilà. Je crois bo lundi tous ont sacré mon équipe pour na bon mon appelez bien et le bon dîner yo et les kaki na Angola na discours il y a Joseph Kabila ça dit Zaki demande que cela wana bon moni quand même discipline Joseph Kabila ndenge aza koko ma discipliné. Je crois bien au moni. Et puis au moni quand même, Nasuka wana, sur tel Nasuka, au moins on a pensé que Joseph Kabila a sidi si, Jean Laurent sur le bien le vote. Parce que ça le bagui déjà. Sur tel, il y a toujours un certain nombre de moni. Tu me t'obligades. Voilà. Au moni. Donc, Jean Lorenzo, netika ka mwa bakara, netika ka mwa banini, parce que, ba report et le gars trop, ba pèse invitation boye, je crois que nous avons une réaction Joseph Kabila, na pour le Joseph Kabila, sentir que, il y a quelque chose de déjà là qui s'accueille, matiza mabé, makasi. Ok, voilà, donc, tout le kinabso Angola, parce que déjà, ma Angola, je crois que moi déjà, donc, Jean Laurent Soaza déterminé Namasolo Oyaye a déterminé. Moïse Katumbi, normalement, Lelo Alingaka Zala déjà à 9h dans l'aéroport Yaluano, dans Lubumbashi. Alors, délégation, il y a danger et c'est Kendaki déjà dans Lubumbashi pour Nakoyamba Moïse Katumbi, délégation et ensemble pour les changements. Bah, kita ki déjà kuna, bah, baza moi et belé. Délégation en provenance de Kinshasa. Tout le monde a déjà ma photo, c'est embrassé, c'est ce qu'il a déjà sur mes réseaux sociaux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce qui se passe? Dans mon moment, tout sur l'Abino. Moïse Katumbi tente de passer par la route à travers la Zambie. Pour les cas vers Bakasumbale, Sapo Ayati, Nalbumbashi. Ba accorda qui déjà Moïse Katumbi, ba accorda qui déjà atterrissage à Moïse Katumbi. Mais, Nalandi Lambert Mende, Alobi, Katumbi sera arrêté, même s'il arrive en vol commercial. Aïe Moïse Katumbi, Ako Kangama. Depuis Angola, donc, il y a un bras de fer entre Lambert Mende et Moïse Katumbi. Entre les autorités congolaises
na Moïse Katumbi. Alors Moïse Katumbi, yepe lokola aza déterminé à fouler le sol de Lubumbashi. Malgré ma multiples menaces, malgré ma multiples nyoso, alobi, il faut accomplir à Lubumbashi parce que il faut qu'il ait déposé candidature naï. Tout ça pour tal. Alors là on est qui l'élo, et là on est sur les canaux minutes tout sur la bino, dans Lubumbashi, notre cher nous Baba, Boyoka Baba. Allez juste après, parlez. Voilà, nous voici à l'aéroport de la Loano. Nous sommes venus accueillir le président Moïse Katumbi Tchafoué comme c'était prévu. Mais on vient de nous notifier maintenant qu'ils n'ont pas, que son avion est autorisé d'atterrir ici à Lubumbashi. Et il est, nous l'avons contacté, il est pour le moment en route vers Ndola. Et maintenant, la deuxième option, c'est probablement qu'il passe par la route à partir de Kasumbalesa. Mais ici, à la loi Nord, les autorités ont demandé, ont interdit le survol du territoire national de l'avion du président Moïse Katumbi Tchafoué. Vous nous voyez à la loi Nord. Et la population l'attendait et continue à l'attendre. Mais nous pensons que la bonne. La raison va triompher du mal et on va les laisser entrer, même par Kasumbalesa, parce que d'ici nous allons nous rendre à Kasumbalesa pour tenter de voir s'il pourra entrer par là pour l'accueillir. Même la population l'attend ici à Lubumbashi et ici à l'aéroport de la Loire. Merci beaucoup, président. Pourquoi tout ça? Pourquoi Mokambo Nyo Sizou Salam? Délégation Yamakasi et Kedeko Yamba Moïse Katumbi, je crois que vous avez délégation Yamakasi et ensemble pour le changement, je crois Moïse Katumbi. Mais la minute on est au son abino, barrage Yako Sakanate, à Lubumbashi. Mila loko lana film. Confirmation de Babi Moïse Katumbi Yako Kitate. Bah, Moïse Katumbi a quitté. Pour l'année, Moïse Katumbi a quitté. Bah, renforcer sécurité. Le roi de la guerre. Mila partout dans Lubumbashi, dans le minute. Sécurité, ça a renforcé pour l'année. Moïse Katumbi a le droit de quitter Kounati. Soit Kiti Kounati a été banni par Poli. Soit Kiti n'a pas été banni par Poli. Mais par contre, Moïse Katumbi a commis une lettre. Ça a déjà une lettre. Comme quoi, Azak Ozong en Mboka. Parce que ça a un problème. Mais, Babo y a Kota. Donc, présence à la police, c'est ça partout. Dans la minute, on est au soleil à Lubumbashi. Surtout dans l'aéroport Rwanda, laisse tomber. Baton dit qu'on est dans l'aéroport. Donc, dispositif sécuritaire est à renforcer dans Lubumbashi. Il y a qu'on s'agalate dans la minute. Bah oui, Moïse Katumbi, a qu'on quitte. Lambert Mende Omalanga. De son côté, Alobi, plus jamais, Yalobi Moïse Katumbi, Aposa na okitate, Moïse Katumbi, ce qui a quitté, Bako Kangaye, on a la mère Mende. Donc, au moins, que, tant que la République démocratique du Congo, yango Zawapi, démocratique, démocratie Zawapi. Bras de fer à moi, Yanni, parce que Babi Kenon Mouto, il faut qu'il ait déposé candidature. Naïe. Alors, Moïse Katumbi peut être déterminé la minute. Alors, qu'il pleuve, qu'il neige, il faut qu'il ait déposé candidature. Naïe.
Comment est-ce que tu m'as signé l'autorisation? Autorisation, on a Ezaki accordé. Autorisation, Ezaki accordé. Il y a atterrissage dans le Lubumbashi. Alors, et ça dit changement balamoko. Changement version salami. Procureur général a commis comme menacé Moïse Katumbi. Abi, il faut kangaye. Abi, si revenons au pays, nako kangaye. La mère Mène a confirmé Penza. Il y a une décision ferme. Tout le parce que dans la minute, il changement de fréquence et c'est salami déjà. Moïse Katumbi, dans la minute, il changement. Bah, si ma commune est déjà partout, hein. Son avion interdit à l'aéroport de Luano. Katumbi tente d'entrer à Lubumbashi par, par route. Bukangi Kotoyo, Koto ba Fongoli. Mais Kasi Moutou Oyo, Bosolinga Bokanga, Makabon Père Mogo, Hermo, c'est étonnant. Moutou Bolingo Kanga. Yemo va décider le bon, Nazoya. Nazo qui t'en a pena sur place, Nazo a pena na terrain. Comme ça, vous avez un bon aussi. Mais, et comme il dit sous son nom, à quoi quitter ou été, soit quitter ou kangaye. Mais, il faut vous élayer à Kiti, à William Balamot. C'est simple, parce qu'il y a Zoya. Moïse Katumbi a confirmé qu'il y a Zoya. Donc il libéba, mouton pas signé. A signé à lui, Asa Koya Kinshasa. Si quoi, au lieu de Koloba, il faut Boloba. Ça sert à rien. Il faut qu'on zélaye à Yé, Bokangiye. Voilà, je crois que vous allez bien. Parce que ceux qui vous zélaye à Yé, au moins, tant que vous Bokangaye, vous avez quitté Makasi. Vous avez Moïse Katumbi à quoi il a terrain, vous avez un binoye. Et puis il m'a annoncé déjà que nous avons un aéroport, il y a l'Ouano, nous avons un peu bien déjà. Alors, nous n'avons pas terminé avec eux dans ma vie, ce n'est pas le bas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne faut jamais qu'on interdise l'atterrissage. Il faut que le bas soit bon, d'accord, Akita, parce que ce sera Kiti, récupération. Mais Moïse Katumbi n'a pas quitté. Bon, bon, écoute, quitte déjà parce que bino bino bon, c'est bon, kangaye. Est-ce que interdiction ou la ligne? Parce que si on a besoin de kangaye, on a yé naïe. Bon, c'est là, quitte. Allez, bon, kangaye. Yo, Sarana. Renforcement à sécurité net in a film dans le Lubumbashi na minute. Mbilaza partout. Voilà, on a dit confirmation. Il y a Moïse Katumbi parce que là, Moïse Katumbi a ça qu'on tente maintenant. Kokota par la Zambie. Alors, tout ça qu'on a dit, il y a vraiment confirmation. Il y a sûr. Comme ça, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Parce que il y a mon déterminé lobby bamata bakita à cause de Kinshasa plutôt à cause de la Congo lelo na Lubumbashi lelo là Lubumbashi. Alors tu vas t'oser là kaka bokangaye parce que la meilleure solution, la meilleure façon de faire, c'était kotikaye à Kiti tant que Kiti malamo pas aller voir bokangaye na minuit. Moi, je suis parce que Akitika a un balamo. Oh, Akitika a un balamo.
y a la mer. Il y a la mer avec les noms Moïse Katumbi. Jamais on ne t'a pas connu. Ton côté là, nous avons besoin de Makamou et Leka en bonne et difforme. Tu as besoin de Makamou et Leka en kimia. Tu as besoin de Makilati. Sauf comme il y a Souka, s'il vous plaît, besoin moi tant. Il y a eu qui a appelé au peuple au Mawa. Parce que le peuple au a souffrir et belé. Vous avez tant que le peuple au Mawa. S'il vous plaît. Vous attendez que le peuple au Mawa. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés dans le Bela Vie. Nous sommes dans le Biwana. Tout ça, vous avez l'information et quoi. Ce qui est info et quoi. Vous avez tenir bien informé. Tout ça, vous là. D'ici là, tout ça, vous avez là. Donc, restez connectés. Je crois que moi déjà. Joseph Kabila en Angola, au sentir, au hasard de Missou, à comprendre. Au passage, ma tour au Yoka, à Yoki. Tango Koki. Tango Koki, Congolais, Fongola Missou, tout Fongola Missou, tout Fongola Missou, tout Fongola Missou. L'on a signé dans le Congolais à Yangouan. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés dans tout le Bela Vie. Mingi, mingi, ne, tout Fongola Missou.